Salut à tous, c'est Gros, on se retrouve sur Infini Factory pour une petite vidéo où on va voir le jeu au milieu de tous ceux Dark Souls. Il faut parfois essayer de faire autre chose. Et j'ai essayé systématiquement de faire autre chose. Sauf que Dark Souls, c'est comme... s'accroche à moi. Alors, on est dans ma petite cellule, parce qu'on est un prisonnier dans ce jeu qui a été enlevé par des extraterrestres. Spoil. on a nos petites croquettes, que j'ai gagnées en faisant mon dernier puzzle, donc je suis très content, merci. Je prends, j'ai gagné aussi cet award. Kangaroo Kickers 2009. Si vous êtes amusé, vous avez gagné. Voilà, mon beau trophée qu'ils m'ont donné. Et voilà, l'écran des trucs. Donc moi, j'ai fini Proving Grounds, qui est en gros le tuto. J'ai eu un peu de mal par moment. Et on va faire Puzzle Shuttle Propulsion Unit. On va créer une nouvelle solution, parce qu'apparemment, il y a plusieurs manières de faire les choses à chaque fois. J'ai essayé de faire la vidéo assez tôt, je suis à une heure de jeu, parce que c'est risqué. Faire une vidéo de ce jeu là parce que ça demande de la réflexion et je sais comme ça peut être rageant de voir quelqu'un qui arrive pas à faire un puzzle. Donc là c'est ça le but du jeu, c'est de pas y arriver et de trouver à force. On est dans un environnement plutôt sympa. Alors au début ils nous laissaient, enfin ils nous faisaient nous entraîner dans leur vaisseau et tout ça, et maintenant ils nous utilisent un petit peu, j'ai l'impression, comme des esclaves en fait, qui facilitent par exemple on transfère des munitions et tout ça d'un cargo à l'autre, et on trouve parfois des cadavres comme ça qui nous en racontent plus sur le lore. Qu'est-ce qu'il va dire ? I can't believe I'm here on another planet with aliens. This is amazing, Claudia. Amazing. I can't get over it. The crash at Roswell, the lights over Lubbock, the sightings in Washington DC, all the way back to ancient times, Jerusalem and Rome. It was them. The pyramids, Stonehenge, Atlantis. Atlantis is real, by the way. It was all their doing. It must have been. Look at this technology. It's just what was needed to move those massive stones. If only Claudia was here to see this. Ok. Donc, quand vous trouvez comme ça un cadavre, vous avez un journal audio. Alors souvent, pour l'instant, moi, c'était des gens qui étaient malheureux et tout ça, qui déprimaient parce qu'ils avaient été enlevés par des aliens et qu'ils étaient exploités. Mais lui, lui, il est content. Il dit, bon, bah, ça répond à tellement de questions, comme par exemple, comment ont été faites les pyramides. Et ben, en fait, c'est eux. Les doublages sont vraiment de bonne qualité, je trouve, pour l'instant. L'histoire est assez intrigante. Ça fait un truc sympa qui nous donne une raison de continuer, même si on fait plus ça pour les puzzles qui sont plutôt bien foutus. Alors, j'ai vite fait regarder, voilà, vous avez les pièces. Pour l'instant, je n'ai pas tout débloqué, comme vous pouvez voir. Vous avez le tapis basique, et après on sera amené à utiliser d'autres trucs. Vous pouvez aussi poser un bloc, vraiment, ça c'est juste un bloc. Voilà. C'est très facile de supprimer les blocs avec le clic droit. J'ai fait un petit menu rapide en bas à gauche, donc vous ne me verrez pas trop passer là-dedans pour l'instant. Alors là, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut... Bah, je vais essayer de vous le montrer en fait, parce que ça fonctionne sur un système de temps. Voilà, si j'appuie sur F, ça se lance. Ouais, j'ai des pièces comme ça qui sortent, sauf que là, ça m'arrange pas parce qu'elles sortent séparées. Donc il me faut, moi, que j'en ai deux qui soient soudées et que je les amène ici. Et aussi que j'en ai trois et que je les amène ici. Alors ça va pas être facile, je vais appuyer sur R pour supprimer ça. Je vais les faire... faire un petit tour par là. Le but, c'est aussi d'optimiser votre réseau, bien sûr, moi, bon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Déjà, je pense qu'il faut les foutre par deux. Ça m'a l'air indispensable, donc on va foutre un bloc comme ça, et après ça va continuer, ça va permettre, si vous voulez, de bloquer. Voilà, et là on en a deux. Et quand ça continuera, et ben elles seront soudées. On va foutre du coup, plateforme là et là. On va foutre un senseur, non, un welder, on va foutre deux welders qui permettent en fait de souder deux blocs ensemble, regardez, hop. Là normalement, voilà. Donc là, on a cela déjà. Maintenant le but, c'est d'arriver à faire les autres. Ils sont 3 par 3, ce qui va être plus compliqué. Pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est déjà faire deux fils. Donc il faut séparer. Il faut qu'on sépare. On va faire ça. On va mettre ça. On va en mettre deux. Ça, c'est un senseur qui permet d'activer un pusher. Vous allez voir ce que ça fait de toute manière. L'important, c'est juste de les relier. On va mettre le senseur ici. Juste, ouais, on va voir ce que ça fait. J'ai ça. Ah oui, bah je suis con. Le senseur est pas relié. Oui, il faut les relier. En plus, je l'ai dit quoi. Incroyable. Ok, alors là, il s'active pas au bon moment parce que le senseur en fait est pas au bon endroit du tout. On va mettre juste à côté. Peut-être ça ira mieux.
Ah mais non, non non je sais, sans ça il faut le mettre après, excusez-moi mais... Merde ce jeu c'est ça, hein. C'est beaucoup de... d'apprentissage par l'erreur, par la pratique plutôt. Voilà donc là, on aurait deux. Le problème c'est que ça je l'avais déjà fait dans le puzzle avant, je crois qu'il faut que j'arrive à en garder quand même sur cette truc. Donc ce que je vais faire c'est que le senseur, je vais le mettre plus loin. De cette manière, il y en a qui auront le temps de passer en fait à chaque fois. Je l'ai pas relié mais ça c'est dingue. Ça c'est dingue, désolé. Oh là, ça va être génial à regarder. Ok, là ça va pas, c'est pas le bon interstice. Je pense que si je décale d'une case, ça passe peut-être. Au revoir, j'espère. Allez, plus vite. On peut faire aller plus ou moins vite le temps pour tester nos trucs. Non, ça va pas encore, bon, mais une case. Et là ça va aller, vraiment. Faites-moi confiance, ça va aller. Calmez-vous. Conveilleur. Non, on va chier. Pardon, hein, mais bon, il faut pas non plus trop me pousser, moi. Ah, voilà! Enfin, j'ai trouvé le bon truc, la bonne mesure. D'accord, donc là, on a un qui passe et un qui reste là. Parfait, c'est ce que je voulais. Du coup, donc celui-là, on va le faire vivre sa vie, non, pas comme ça. Celui-là, on va le faire aller là, tranquillement. Hop. Et voilà, est-ce que déjà... ça fonctionne. Je trouve ça vraiment joli à regarder après. On voit notre machine toute bien huilée. Bon là c'est un peu dégueu mais... Donc déjà on a celui-là, vous voyez, il m'en faut 10. Et celui-là il en faut 10 aussi. Ok, on a fait ça. Ensuite. Là il faut que j'arrive... à créer un bloc de 3. Donc peut-être que je suis parti dans la mauvaise direction. Parce que je vois pas comment en rajouter un seul en fait. J'aurais pas dû réfléchir comme ça. Est-ce que je peux te dessouder? Non, je peux pas te dessouder. Ouais, j'aurais dû penser comme ça en fait. Hein. Ouais, non, mais là ça va pas. Vous voyez, par exemple, là il faudrait que je recommence. Je vais recommencer d'ailleurs. Hein. Reset. Oui, on est content. Bon, c'est pas grave. Ça vous a quand même montré les bases. Comment ça fonctionne. Le pusher ici et au milieu les conduits et normalement ça devrait séparer tout ça, non? Voilà, parfait. Enfin parfait, tout à l'heure j'ai dit ça et après je me suis rendu compte juste bah, juste après du coup oui que ça allait pas du tout. Plateforme, 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 welder, ça devrait aller comme ça. Voilà, alors ok, c'est bon. Back in the game. Et ici, on va faire le même mécanisme. Cette fois, on a besoin que d'un truc. Deux welders. Et c'est bon, ça passe tout seul. J'adore la musique aussi de ce jeu qui passe en fond, là, c'est génial. Regardez, alors ça, si c'est pas de la belle machinerie, j'en connais pas. Continuer comme ça, toi. Hop. Alors, est-ce que du coup c'est bon là? Juste comme ça? Ouais, je crois que c'est bon. Hein. On a notre truc. Ah non, on n'a pas notre truc parce que tu vas d'ici me faire chier. Ça? Ça va mieux comme ça, votre Altesse? Notez aussi que le jeu vous facilite vraiment la tâche au niveau des déplacements et tout ça, vous avez un jetpack qui vous permet de bouger plus facilement. Et bah c'est bon, là on y est. On peut maintenant profiter de ce bruit agréable de réussite. Poup, poup. Et c'est bon. Une machine bien huilée. Ce qui me terrifie, c'est que je sens que je vais devoir en faire un autre du coup, de puzzle, parce que là c'est trop petit comme vidéo. J'ai peur. Wave Detection Array. On va voir, là c'est mes performances par rapport à mes amis par exemple. Je sais pas du coup comment les lire mais c'est pas grave, on est quand même content. Creative solution. Alors, qu'est-ce que ça va être? La musique reprend comme si rien n'était, tu sais. D'accord, il faut que j'accroche une boule à chaque truc. Ok, bon là ça va être drôle encore. On va essayer de réfléchir à l'avance, ça évitera de faire des conneries. Peut-être qu'on gagnera un peu de temps sur la suite. Là on a nos deux l'un à côté de l'autre. Sauf que... comment je fais? On va réfléchir, hein. Oh c'est chaud là.
C'est chaud, c'est chaud. Attendez, est-ce que je peux vraiment faire ça? Oh, je suis en train de réfléchir à un truc. Est-ce qu'il faut aussi que je fasse ça? Je sais pas. Je pense pas que le jeu nous pousse à faire quoi que ce soit, mais je peux, effectivement. Oh, c'est génial. Je vais faire ça. Comme ça, ça va faire le tour et ça va contourner. De manière cheap, totalement. Allez, pas non plus perdre du terrain. Voilà! Parfait! Alors, arrivé à là. Arrivé à là. Ah, mais ça va pas le faire non plus, là. Regardez le temps qu'elle met, celle-là, arrivée par rapport à lui. Alors, ce qu'il faut que je fasse, en fait... Holy shit! Ah non, ça va pas du tout. Je crois que j'ai réussi, les gars. J'ai réussi, bordel! Juste là, comment je fais? Je suis censé faire des plateformes et tout? Ok, je suis censé faire ça, ouais. Ça n'a pas de sens, là. Faut que je construise une méga structure pour que ça passe, quoi. Je dois tout faire dans cette baraque? D'accord, alors là, normalement, je crois que j'ai réussi à faire mon truc, hein. N'importe comment, mais n'importe comment, à l'arrache, quoi. Regardez. C'est fantastique, ça, non? Sauf que ça arrive pas dans le bon sens, et je peux pas le tourner. Mais ils font chier aussi, hein. S'ils font chier là-dessus, j'arrête. Je rage quitte. Parce que moi, j'ai déjà réussi à faire ça, je suis content. Faites-moi voir. Ça va pas leur aller, je suis sûr. Furniture. Ça passe pas. C'est incroyable de me faire ça juste parce qu'ils sont pas dans le bon sens, quoi. Moi, je me tue la santé. J'avais réussi à faire un système, regardez. Regardez ce système. Ingénieux. Au possible. Ouais, écoutez, j'abandonne. Parce que je pourrais le faire. Ça me prend tellement de temps. Et il est tellement tard, j'avais prévu de faire cette vidéo avant d'aller dormir. Malheureusement, c'était un terrible choix de timing. Bon, écoutez, ça vous donne un aperçu quand même de... du potentiel du jeu, quoi. Enfin, potentiel, il est fini le jeu, hein. Il est pas en accès anticipé, donc vous pouvez vous faire plaisir si vous aimez ça. Vous allez avoir de quoi faire. On va accélérer pour un peu jusqu'où elle va aller, cette fameuse chenille. Magnifique. Si j'appuie sur P. Ah, oui, on apprend des trucs. Ça, c'est mes je sais pas, mes constructions. Je sais pas à quoi ça me sert, mais ouais. Ouais, je peux le voir, oui. Et on est de retour, enfin je suis de retour parce que vous du coup vous avez pas bougé hein, depuis la vidéo. Mais moi ça fait une semaine que j'ai commencé cette vidéo en fait. J'ai tout simplement rage quit parce que j'arrivais pas à finir le puzzle. Et je commençais à me perdre dans mes pensées, j'arrivais plus. Donc ce que j'ai fait c'est que je revenais souvent parce que je suis quand même un tryhard. Le jeu m'a mis à genoux mais je revenais environ tous les deux jours de la semaine. Et j'essayais un petit peu, un quart d'heure. Et là j'ai réussi à faire celui-là et celui d'après parce que... Comme je suis un petit malin, je me suis dit, ouais, je vais faire celui d'après en vidéo et puis ça marchera bien. Sauf que non, j'y arrivais pas non plus. Et là, coup de génie, j'ai réussi à faire les deux. Alors, le premier là qui me faisait chier, c'est celui-là. J'ai réglé le problème en faisant comme ça. Déjà, on divise là et après, on les regroupe directement ici. Et ça fait que je conserve le sens. Enfin, j'ai le bon sens en fait pour les faire entrer là-dedans. Là, c'est juste un truc pour retenir un truc et on le fait passer ici. C'est le même système que là d'ailleurs. Vous voyez, on met une case qui n'est pas un tapis roulant et comme ça, ça permet de diviser les deux et de les donner à peu près en même temps. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors on va terminer. Je me suis gardé ce plaisir de terminer en vidéo pour prouver ma supériorité. Ouh, ça fait plaisir quand même. Oh, j'étais tellement content quand j'ai fini ça, c'est ouf. C'est fou, c'est fou. J'en pouvais plus. Alors, parce que oui, il y a Lolo le haricot à chaque fois qui me fait chier, mais je crois que là, je l'ai battu. Hein. À plat de couture le haricot. Continue tout seul. Et on va regarder l'autre. L'autre c'était un beau coup de saloperie aussi. Alors celui-là j'ai réussi. Je pense que c'est n'importe quoi la manière dont j'ai réussi celui-là. Mais bon. Écoutez, ça a marché. Celui-là j'ai galéré encore plus que celui d'avant quoi. Hop. En fait il faut que j'ai ça. Hein. Le but c'est que j'ai ça. Et à force de... Ouais, de faire n'importe quoi, de chercher et tout ça, de faire plein d'essais différents, et ben voilà, je suis arrivé à ça. C'est vraiment un raisonnement mathématique en fait, ce jeu, quoi, c'est... Faut tester, quoi. 5. Mais quel plaisir de voir ça, quoi. Mon œuf qui prend vie. On va essayer de faire celui d'après, mais vu comme je galère maintenant... Écoutez, je me suis pas fait mettre à genoux par
aucun jeu de puzzle pour l'instant. Alors, c'est pas celui-là qui va me mettre à genoux. Du coup, vous allez voir la performance review. Encore une fois, j'ai défoncé Lolo Harico, mais bon, passons là-dessus. Voilà, à la fin des mondes, on... ils nous jugent, sauf que nous, on comprend rien. Ils se moquent de moi en plus. Qu'est-ce que j'ai gagné là? VHS. J'ai gagné une VHS d'un dessous de bras. Bah, merci. L'autre fois, j'avais gagné mon petit trophée là, celui-là. Je vais mettre là à côté. Oh non! Il en fait tomber une là. Bien mérité ça. Je suis vraiment un animal quoi. D'ailleurs, dans la dans le dernier puzzle que j'ai fait, est-ce qu'il y a le son bien ou est-ce que je l'avais baissé? Non, c'est bon. Comment je l'avais pas touché? Parce que je me rappelle avoir joué avec de la musique à ce jeu, faut pas déconner non plus. Ça reste de la souffrance. Test zone. Ressources. Ah là, je peux créer des trucs. À... Ah d'accord. Je peux créer des puzzles. On va essayer ressources site. On va voir ce qu'ils me font faire après des munitions. Ouh là, c'est... Oui. D'accord. Ok, une nouvelle mécanique. On va regarder vite fait. Mais bon, si j'arrive pas, j'arriverai pas. Ah. Hello. If you're listening to this message, I want to congratulate you. Merci de me féliciter. Ah, un truc pour faire tourner les cubes, ça aurait été utile juste avant. My name's Floyd. I was one of the first human abductees, so that makes me a bit of a geezer. I was picked up back in the summer of 1976 from a little town no one cares about in Illinois. Non. I wasn't even 18 yet. Those were interesting times. In almost 40 years, I've learned a thing or two about our gracious hosts. Putain, t'as plus 40 ans. I kid, of course, but they're really not that bad. They're just, insensitive, you know? They think humans are useful. We're good at making stuff, and they don't want to do it themselves. It's easier just to have us do it. I've picked up a bit of their language here and there. I can't exactly speak it, since our vocal cords don't really work in the same way. What? I've made some approximations of their language. Earth ah, okay. Is something like... Oh, je me dis que c'est un peu facile. Yeah, it kind of sounds like you got a frog in your throat, but, you know, j'adore les doublages de jeu. It's not much use, but it's given me something to do in the past couple of decades. Hmm. Ok, donc après les cadavres, on va tomber maintenant sur ce mec qui a laissé des messages sur des... Je sais pas quoi, des trucs de téléphone, et il va nous expliquer un peu ses recherches qu'il a effectuées en 40 ans. Bah voilà, c'est intéressant, je suis content quand même que j'ai tryhard pour arriver à là. Alors, ok. Il va falloir faire là. On peut passer de l'autre côté, non. Ok, oui, non, c'est bon. Ça va être compliqué, bordel. Bon, ça. Ok. Il faudra un rotator, c'est ça? Comment ça fonctionne? Ok. Oula. Ok. Calmez-vous. D'accord, mais là ça va tous les tourner dans le même sens. Donc s'il faut que je fasse, c'est encore une fois un système ingénieux de poulies. Comme ça. Excusez-moi hein, si je parle pas trop, mais faut tellement être concentré quoi. Non, j'ai pris celui qu'il fallait pas. J'ai une liste rapide hein. Je sais pas pourquoi je continue d'aller là-dedans, mais on va mettre un pusher ici. Voilà. Et là, normalement, je teste, hein. Ok, ouais, ça va les séparer. Alors, à partir de là. Faites-moi voir ce que ça nous donne. Ils sont pas tous dans le même sens, déjà, ce qui est très étrange. Oui, il y en a un sur deux qui change. Ah, c'est le temps qu'il se recharge, le truc. J'ai aucune idée. Enfin bon, en tout cas, tous ceux-là ils seront dans ce sens-là, donc ça m'évite d'avoir à les tourner. J'aurais juste à tourner ceux-là. Dans ce sens-là. On va voir. Voilà, parfait. Et là, et ben écoutez, il faudra juste les fusionner. Touche au but. Comme ça. Un petit passage sympa. Je veux un welder dans ce sens-là, merci.
c'est vrai. Ah bah je suis con. Pourquoi j'ai pas fait ça en même temps? On sait le savoir à force. C'est vraiment des réflexes à prendre, j'ai l'impression aussi. Voilà, putain, quand même. Et il y a de la maestria quand même derrière. Je veux dire, ça se fait pas comme ça non plus. Non, on va se calmer. Et voilà, c'est parti. C'est fantastique là ce que j'ai effectué. Non, il était facile celui-là. Ceux d'avant étaient bien pires d'après moi. Qu'un commentaire sur le haricot qui est totalement laissé sur place par ma performance. On va s'arrêter là avant que je sois bloqué encore une fois et que je meure et que je me roule dans mon vomi de honte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'allais dire ces vidéos. Non, ça n'est qu'une seule en fait, c'est juste que j'ai mis une semaine à faire. Et à plus pour d'autres jeux sympas comme ça ou pas, on verra. Salut. Non. Bah, ouais, mais bon, t'es un peu énervé quand même. Hein. C'est chiant ça. Arrête d'essayer de m'enlever ma braise. Alors, on se sent con, Robert?